Alors, je m'appelle Jason Perrier, j'ai 28 ans, j'habite à Montpellier. J'ai fait des études de commerce international et langue étrangère appliquée. Et depuis un an, j'ai cofondé avec mon associé Agoragom. Donc, Agoragom, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme marketplace à destination des professionnels pour l'achat et la vente de pneus industriels d'occasion. Donc, quand je dis pneus industriels, c'est des pneus pour engins agricoles, engins de chantier, poids lourds et bus. Comment vous est venue l'idée de lancer ce business? Alors, en fait, moi, j'ai travaillé pendant 3 ans chez un grossiste en pneumatique de la région Languedoc-Roussillon. Et j'étais l'acheteur de cette société. Et souvent, quand les commerciaux avaient des demandes un peu particulières, ils venaient me voir. Et on est venu me voir plein de fois pour des pneus d'occasion. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus dur de trouver des pneus d'occasion que des pneus neufs, alors qu'il y avait une vraie demande en face. Donc, on est vraiment parti d'un besoin client. Il y a même un commercial, une fois, qui est venu me voir en disant qu'il y avait un client qui demandait si une plateforme existait qui recenserait tous les pneus d'occasion existants sur le marché. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un manque et que cette plateforme, il fallait la créer, qu'il y avait un vrai besoin. Quelle est l'histoire derrière le nom de votre société? Donc en fait, on cherchait un nom qui évoquait à la fois la place de marché, le marché et les pneus. Et à côté de ça, moi j'ai toujours été assez passionné de Grèce antique de par mon prénom Jason. Du coup aussi, je jouais à un jeu quand j'étais plus petit qui s'appelait le Maître de l'Olympe, qui parlera peut-être à ceux qui ont grandi dans les années 2000. Et dans ce jeu, on devait du coup gérer une cité de Grèce antique et on devait construire rapidement une place de marché pour pouvoir nourrir les habitants qui puissent acheter de la nourriture. Et ça s'appelait l'Agora. C'est l'équivalent du forum chez les Romains, donc c'est la place de la cité où se passent tous les échanges, que ce soit des échanges juste de discuter, mais aussi d'échanger des biens. Donc on avait le côté place de marché, et après on a choisi gomme par rapport à la gomme des pneus. Et comme on est dans le pneu d'occasion, en fait, la profondeur de gomme des pneus est vachement importante. Donc en fait, ce qu'on vend, c'est plus des millimètres de gomme que des pneus. Donc on a gardé gomme. Et puis il fallait un nom qui soit prononçable un peu dans toutes les langues européennes. Donc on a choisi agoragomme, et c'était libre en .com, donc agoragomme.com. Qu'y a-t-il de mieux à être entrepreneur? Alors, je dirais principalement la liberté que ça apporte. On est un peu maître de son destin. Et ça, c'est vraiment le gros gros plus. J'ai pu faire 1 mois et demi de télétravail à La Réunion chez mes parents, par exemple, en début d'année, ce que j'aurais jamais pu faire en tant que salarié. Et aussi l'impression de construire, l'impression d'avancer un petit peu chaque jour. En fait, on écrit un livre avec des pages blanches et c'est nous qui choisissons ce qu'on écrit dedans, quel chapitre. Donc, chaque jour, j'ai l'impression de faire une petite marche de l'escalier. Et à chaque fois qu'on embauche quelqu'un, bah, c'est un nouveau personnage de ce livre. Donc, on est vraiment super content de l'équipe et on ne pensait pas en être là au bout de seulement 1 an d'existence.